Donc salut à tous, c'est Valulox pour présenter la 1.6 plus ou moins qui vient de sortir, c'est aussi loin que ça, qui vient de sortir aujourd'hui même, oui je ne suis pas en snapshot, là c'est la 1.6 qui vient de sortir, donc je vais la présenter assez rapidement. Alors tout d'abord je vais prendre une selle, il y a l'ajout des chevaux. What? Pourquoi il prend des dégâts lui? D'accord, il est bloqué dans un bloc celui-là. L'ajout des chevaux qui est comme plus ou moins l'essentiel. Alors chevaux et mules. La mule, en gros, il y a plus de 30 chevaux. Donc pour pouvoir dompter un cheval, il faut lui monter dessus. Mais pas avec le blé. En gros, vous devez monter avec n'importe quoi. On va se mettre en game mode 0 / game mode hop. Mode 0 hop. Donc vous allez monter sur votre cheval. Vous montez dessus. Hop. Bon, il veut pas lui. Non, peut-être monter avec rien. Bah, faut remonter avec rien du tout, j'ai l'impression. Bon, il m'a éjecté assez rapidement. Donc c'est assez dur quand même d'avoir un hop, hop. Là, vous essayez de lui donner du blé. Et normalement, au bout d'un moment... Ah, merde, désolé, ça lag. Hop, au bout d'un moment, vous aurez peut-être des cœurs. Hop, 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 hop. Non, il n'a pas voulu. Hop. On réessaye. Donc bon, on va se retrouver tout de suite après dès que j'ai réussi à en dompter un. Voilà, là je viens de réussir à dresser un cheval après pas mal de temps. Donc là vous pouvez mettre la selle. Wow. Donc là vous pouvez lui mettre la selle quand vous avez réussi à le dompter. Il y a des petits cœurs qui apparaissent, bien sûr. Il faut mettre les particules. Donc après vous pouvez le déplacer. Hop, on va descendre. C'est hop pour redescendre. Il y a plusieurs types d'armure. Il y a le fer qui est là. Pourquoi j'arrive pas à le récupérer? L'or. Ah oui, d'accord, je suis. Hop, de toute façon j'ai une armure sur moi. Hop, celle qui est en gold. Alors pour pouvoir équiper un cheval qui est à vous, bien sûr, vous appuyez sur E comme pour l'inventaire et vous pouvez lui mettre une armure. Vous voyez sa barre de vie là à droite. Ouais, si je mets mon truc dessus, ça va pas le faire. Et donc voilà, c'est l'ajout plus ou moins majeur quand même de cette version 1.6 maintenant. Parce que c'est la version 1.6. Après, vous pouvez crafter des blocs de paille qui sont purement décoratifs, il me semble, aucun intérêt, qui sont comme ça, qui sont très très inflammables. Game mode. Mode 1. Voilà, qui sont. Oh. Hop, qui sont vraiment très inflammables, comme le bloc de charbon qui est inflammable, il me semble. Après, vous pouvez aussi, avec un lasso qui est le craft qui est là. Le lasso qui se craft comme ça, avec du fil d'araignée et des boules, et une boule de slime, vous pouvez récupérer n'importe quel mob passif et vous pouvez le déplacer par exemple, voilà, et le mettre à un poteau. Par contre, il me semble qu'on peut pas mettre, voilà, si on peut mettre plusieurs mobs sur le même poteau et vous pouvez les tenir en laisse aussi, en gros, pour faire une agriculture, ce sera beaucoup plus simple de ramener les mobs comme ça. Donc voilà, et là vous pouvez mettre les mobs sur des poteaux comme vous le voulez. Ensuite, ajout majeur aussi, c'est le tapis. Carpet qui se fait comme ça et qui vous donne 3 tapis. Ce qui n'est pas très très avantageux. Mais quelque chose de bien aussi, c'est pas comme. Il me semble que c'est. Je sais plus c'est quel bloc. C'est la Soul Sun qui nous bloque. Pourtant, les plus petites, on peut quand même passer en dessous. C'est-à-dire que c'est pratique pour des petits immeubles où il n'y a que deux. Des immeubles. Par exemple, vous voulez mettre un sol qui est différent. En gros, vous pouvez toujours passer. Ouais, j'ai eu peur pour le micro, j'ai cru qu'il était fermé. Ensuite, ajout majeur aussi, c'est. Comment s'appelle ça? Hop, 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 hop. C'est la Sand Glake. Ouais, c'est l'argile durcie. Qui. Hop, faut faire chauffer de l'argile que vous récupérez. Vous récupérez un petit bloc. Hop, on va faire argile. Hop, on va récupérer quelques-uns. Hop, 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 comme ça. Et là vous avez de l'argile comme ça et que vous faites chauffer qui va vous donner de l'argile comme ça, durci. Vous prenez un colorant et vous, hop, vous mettez votre argile, 8. Ensuite vous mettez ça et ça vous donne 8. Donc voilà, là c'est la couleur comme ça et ça fait une couleur un petit peu plus lisse, pas comme la laine. Et les couleurs sont différentes de la laine, voilà, ça se craft comme ça. Il y a aussi des nouveaux bruits pour les PNJ, on va augmenter un petit peu le son. Moi j'entends rien mais vous devez l'entendre. Et si je le tape, voilà, et si on le tape, et si on fait des échanges, on prend des émeraudes, ils ont un bruit différent, voilà, là on entend les bruits, là quand il y en a un, ça va, mais quand il y en a 50, ouais, voilà, et il était content, je
crois qu'il peut plus faire d'échange. Ouais, voilà. Et donc, voilà, ça aussi. Et là, il va se transformer pour pouvoir, voilà, faire un nouvel... Waouh. Ah ouais, il a fait un bruit bizarre, j'ai trouvé. Donc, voilà, il y a aussi le bloc de charbon qui vous permet de tuer 72 items, ce qui est quand même pas mal, mais il faut quand même pouvoir, par exemple, les alimenter en hopper. En gros, les items viennent en continu avec des hoppers, ce qui vous fait gagner énormément de place. Ensuite, la pomme en or qui a été complètement changée. Hop. La pomme dorée qui se crafte comme ça et non plus avec des lingots, avec des pépites, je veux dire. On va se mettre en game mode 0. Hop. Et là, si vous voyez, je la mange. J'ai pendant 4 secondes régénération 2 déjà qui me régénère plus de cœur que l'ancienne parce que l'autre régénérait un cœur et demi. Hop, je vais juste baisser le son. Je vais le remettre à 4%. Sinon, ça va faire beaucoup trop. Qui régénérait que un cœur et demi et celle-là régène ça et plus là vous voyez j'ai deux cœurs en gros c'est deux cœurs que je vais pouvoir perdre et qui vont revenir qu'au bout de 30 secondes hop là vous voyez je l'ai perdu on ne le voit pas en transparent mais hop si je me dépêche hop 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 là vous voyez 33 et là normalement je devrais récupérer les cœurs et voilà là j'ai récupéré les deux cœurs et toutes les 30 secondes. Donc voilà, ensuite les potions de vie ont été vachement nerfées. Game mode 1, bon là j'ai pas besoin de faire un petit test. En gros, les potions de vie ont été nerfées, elles soignent beaucoup moins. Ensuite, l'étiquette qui peut être pratique, hop, on va le récupérer, qui se crafte pas, qu'on peut trouver que dans les donjons, qui permet de renommer vos animaux. Vous prenez l'enclume et vous mettez n'importe quel nom. Hop. Ça coûte toujours 5, de toute façon tout. Hop. Le Pet Box, voilà. Là, vous le prenez, ça vous le craft et vous pouvez renommer vos animaux. Alors, j'ai oublié de préciser que la mule, on peut lui mettre un coffre qui lui rajoute de l'espace. Et bah, on va essayer de la redompter. Non, il veut pas. Je crois qu'il faut qu'on ait rien dans la main. Hop, d'accord. Là, vous avez vu, il a pas voulu. Donc, hop. Ah oui, c'est. On peut même sauter 3 blocs il me semble. Hop. Voilà là faut bien charger la barre. Et quand vous lâchez bah, vous pouvez sauter jusqu'à 3 blocs. On va voir s'il faut. Hop. Bah voilà, bon, voilà. En gros vous pouvez. Tous les chevaux sont différents. Il y en a qui ont plus de cœur que d'autres, etc. Donc voilà. Mais le name tag permet aussi. Mode 0. Il permet aussi d'éviter le despawn des mobs. En gros ça veut dire que si vous les éloignez c'est les mobs par exemple qui avaient des armures avant ils ne disponaient pas sauf que le problème c'est que c'est déjà faut les trouver dans des donjons je pense que ça va être assez simple on en aura peut-être dans tous les donjons mais regardez hop là j'ai peut-être la vache qui s'appelle comme ça mais il disparaît donc il en faudrait une quantité assez énorme donc s'il y a des nouveautés dans le Nether dans les donjons du Nether où il y a quelques coffres de loot assez rares. Peut-être pas tant que ça en fait, je suis pas trop allé voir, mais je sais qu'il y a des coffres de loot qui sont dans le Nether et qui sont quand même assez orientés. C'est surtout de l'or, il n'y a pas de pseudo, c'est pas comme dans les donjons normaux, il n'y a pas de graines de cacao, etc. Donc j'espère n'avoir rien oublié et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous! Ah oui, et juste vous montrer aussi ça. Voilà, bon bah, ok. Bon bah salut à tous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous.